Vous ne comptiez pas éteindre le réveil? C'est bien ce que je pensais. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0 473 86 00 13. Fun Radio. Fun Radio. Allez, c'est parti, ligne anti-relou. Vous êtes nombreux et de plus en plus nombreux, ça fait plaisir. Ah oui, oh là là. Ah bah ouais, non, mais pour le coup, ouais. Ça prend de plus en plus de temps. Ouais, ça ne m'étonne pas. 0473 86 00 13, le numéro de la ligne anti-relou à donner à tout le monde. Il faut que tout le monde connaisse ce numéro en Belgique, sauf les relous, bien évidemment. 0473 86 00 13. Du coup, vous donnez ce numéro-là à un relou qui vous prend la tête en soirée, dans la bar, en resto, n'importe où. Et il y en a toujours un qui traîne quelque part. Oh oui, c'est facile à trouver en général. Hein. Ben oui. Donc voilà, vous donnez ce numéro-là, le mec va penser que c'est votre numéro. En fait, non, c'est le nôtre. Il va laisser donc un message sur le répondeur et nous, on se fera un plaisir de l'écouter comme chaque matin à l'heure moins quart, 7h moins quart, 8h moins quart et 9h moins quart. On écoute maintenant le premier message. Ouais, je viens de me réveiller. Toujours pas de nouvelles. On a passé une belle soirée hier à discuter un petit peu comme ça. T'es proposé, si tu veux, reste un moi tantôt, on ira se manger une petite frite, tranquille, si vous voulez. Allez, j'attends ton message, hein. Merci. On ira manger une très romantique déjà. D'être emmené pour aller manger une frite. Bah ouais. Oh, le champion du monde. Avec un peu de sauce qui coulera le long de ta joue. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a passé une bonne soirée. Bon, enfin, si t'as ce numéro-là, c'est que techniquement, la fille, elle a pas vraiment passé une bonne soirée. Le relou est aussi naïf. Ah oui, con hein, en général. Hein, parce que naïf, c'est encore un peu trop gentil. Mais on ira manger une frite, ça, c'est pas mal. Mais les mecs, ce n'est pas romantique aller manger une frite. C'est vrai, tout de suite. T'aurais dit pizza, tu vois. À la limite, un petit italien, tu vois, mignon. Ah non, pizza. Docteur Rucker, hein, dans le four. Voilà, oui, okay, c'est beaucoup trop cher la pizza du restaurant. Donc. Allez, c'est parti, deuxième message sur l'impondeur. Oui, Mélissa, ben, je suis à l'arrière du bus, du 127, là, et je vois ton numéro noté ici. Moi, c'est d'accord pour le plan cul. Enfin, recontacte-moi, un bisou. Oh, qu'est-ce qu'ils sont courts, les auditeurs. Donc vous les mecs, vous plongez quoi. On vous fait marcher et vous courez. Non mais alors j'imagine, enfin oui forcément. Donc c'est un auditeur ou une auditrice qui a dû mettre le numéro en disant salut, je suis Mélissa, chaude, blonde, grande, 96, 36 de pantalon, je cherche relation chaude pour une nuit. Et les mecs, on va appeler. Allô Mélissa. Bon, le mec il a raison, tu vois, il essaye. C'est vrai, mais quand même les mecs, arrêtez quoi. Ce genre de plan, ça ne marche pas. On sait pas, on peut pas savoir. Bon allez, troisième message laissé sur la ligne anti-relou ce matin. Oui, Julie, j'ai envie de toi. Je suis en train de faire de me masturber. Pense à toi, Julie. Ah oui, c'est bon. Oh, quelle horreur. Ah oui. Ah, Julie. Oh, c'était peut-être pas pour toi, hein, mais. Enfin, je pense pas que ce soit pour toi, puisque t'as pas donné ce numéro aussi. Tu as parfois ça sur ton répondeur. Pas encore. Oui, mais Julie. Ah, le retour du pervers. C'est génial. Non, mais ça non plus, ça ne marche pas. Le côté. Oui, peut-être non. Que ça excite un peu la fille. Hein. Ah non, mais je confirme mais que non. Julie. Ah, bon, dommage. Bon, message de Julien qui est arrivé sur le 3044. Salut toute l'équipe. C'est quoi votre Facebook? Bah, c'est facebook.com/MIKL officiel. Voilà. Bon, retour tout à l'heure de la ligne anti-relou, bien entendu.